Les options barrières vous permettent de négocier sur des marchés haussiers ou baissiers tout en maîtrisant votre risque. Votre position sera automatiquement clôturée si le cours sous-jacent IG atteint le niveau de knockout que vous aviez défini. Pour trader les options barrières depuis la plateforme IG, suivez les étapes suivantes. Tout d'abord, choisissez la valeur qui vous intéresse depuis le menu rétractable de notre plateforme en ligne ou depuis la section marché de nos applis. Si vous pensez que le cours du marché sous-jacent va augmenter, vous choisirez une option call. Si vous pensez que le marché va chuter, vous choisirez une option put. Une fois que vous aurez décidé d'un sens, vous pourrez choisir votre niveau de knockout. Il s'agit du niveau auquel votre option sera automatiquement clôturée si le marché devait se retourner contre vous. Souvenez-vous qu'une fois votre position ouverte, il ne sera plus possible de modifier ce niveau. Le prix d'ouverture correspond à la différence entre le cours sous-jacent IG et le niveau de knockout, à laquelle s'ajoute le coût du knockout. Ce dernier est votre garantie face à l'effet de glissement ou slippage, et il vous sera rendu si vous clôturez la position avant qu'il ne soit atteint. Ensuite, choisissez le nombre de contrats que vous souhaitez allouer à chaque point de mouvement. Chaque contrat, ou lot, vaut une unité de la devise de référence du marché. Vous pouvez ainsi définir un ordre limite qui clôturera automatiquement la position dès que votre objectif de profit sera atteint. Votre risque maximum correspond à la prime de l'option, le prix d'ouverture, multiplié par la taille de la transaction. Nous prélèverons ce montant à l'ouverture de la position. Vos gains et vos pertes correspondent donc à la différence entre le cours auquel vous avez acheté l'option et le cours auquel vous l'avez vendu, multiplié par la taille de l'ordre. Gardez à l'esprit qu'une commission sera appliquée à l'ouverture et à la clôture de la position. Lorsque vous vous sentirez prêt, cliquez sur « Placer un ordre » pour ouvrir votre position. Vous retrouverez toutes vos positions ouvertes dans l'onglet « Position ». Pour en clôturer une, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Clôturer » et de confirmer.